Allez, bonjour à toutes et à tous, ici c'est Landron pour le troisième épisode de la saison 2 de Peak All Blocks. Allez, on y retourne. Donc la dernière fois on avait choisi... Bah allez, tu peux jouer? Allez. On avait choisi notre monde. Quand on avait fini par le trouver... Oula, j'avais pas vu que... Il n'est pas encore tout à fait jour. Donc on a fini par trouver notre monde. Qu'est-ce que je dis? Pas notre monde, notre emplacement pour s'installer. J'avais commencé à creuser, on avait trouvé quelques grottes qui seraient intéressantes d'explorer une fois que j'aurais un peu de fer, histoire de me faire au moins une épée en fer. Et un petit stuff minimum. Parce que sinon ça va pas le faire. Donc, il y a une araignée qui me tourne autour là-haut. Faut faire gaffe. Oh la vache. Un zombie en armure en or. Oui. Aïe. Oh. Alors, on va s'occuper de cela. Zombie first. Ce serait gentil d'ailleurs si tu pouvais me filer du stuff. Il est increvable, c'est d'être... C'est clairement abusé d'avoir un stuff en or. Alors, l'araignée c'est fait. J'aimerais bien aussi qu'elle me donne du string, celle-ci. Eh ben non. Bon, pas de string. C'est pas bien grave. Alors, qu'est-ce que j'avais dit? J'avais dit qu'on allait se mettre sur ce lac. J'avais comme idée de mettre le musée ici et la maison ici. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise idée. J'ai quand même enlevé cet arbre qui fait un petit peu tache. Bon, attendez. Il fait un poil tache. Hop. On va le virer, ça va faire un peu de bois. Et on va pouvoir commencer à terraformer un petit peu le coin. Donc, on va enlever cette satanée fougère. Voilà. Ça, ça sert pas à grand chose. Nickel. Donc, on va virer ça aussi. Donc je pense que la maison, on va la faire bah, genre là. Là, ça va bien. Ça me plaît bien comme endroit. C'est pas trop grand, pas trop petit. Il faudra juste qu'on change un peu le sol un peu plus tard. J'essaye d'arranger un petit peu ce qu'il y a autour. Voilà. Allez, voilà. Donc je vais faire une pelle. Une pelle, ça peut être une bonne idée. Où est-ce que je suis installé, moi? Ici. Ça y est, j'ai déjà perdu de là où je m'étais installé. C'est pas ça que je veux. C'est ça. Alors, une pelle. La voici, la voilà. On va faire un petit peu de terraformation et ensuite on va commencer à installer le début de ma maison. Maison qui risque pas d'être extrêmement jolie. Hein. Je rappelle qu'on n'est pas non plus dans une série de construction, mais plutôt dans une série de survival. Survival hardcore où l'objectif est simplement de chercher tous les blocs du jeu. Simplement entre guillemets, hein, parce que ça a l'air simple en soi, mais... Dans la pratique, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple. Donc je vire cet arbre aussi. Je vais m'en occuper. Allez, hop. On va s'en occuper vite. Tiens, c'est déjà minuit. Enfin, mi-journée, pardon. Hop, nickel. Il faudrait aussi que j'aille me trouver des moutons. Parce que j'ai pas assez de laine. Pour me faire un lit. Tiens, j'ai pas vu qu'il y a un peu d'XP là. Plus nickel, niveau 10. Je vais m'occuper de cette vache. Voilà. Donc alors, bon, bah, j'ai la place pour faire pas mal de choses. Surtout que j'ai pas mal de cobble. Pour commencer à faire un joli petit truc. Bon, ça va être assez cubique. Me connaissant, je vais ajouter un peu de design au fur et à mesure. Plus qu'au début. Parce qu'il faut pas non plus... Enfin, ça sert à rien de mettre un super truc au tout début, surtout que j'ai pas du tout de quoi faire un joli design. On va faire ça un peu à la one again. Histoire d'avoir un chez nous en fait. Hop, 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 hop. La porte, on va la mettre ici. Hop. On va mettre une fenêtre ici. Ensuite là ça sert un peu à rien parce qu'on est à flanc de... on est à flanc de colline. Ça sert à rien de mettre des fenêtres. Même pouvoir monter encore un cran. Toc.
J'ai encore un paquet de cobble, c'est pas un problème. Hop. Donc alors, ici il va falloir un peu se décider où est-ce que je vais foutre mes fenêtres. Sachant qu'ici on est encore un peu à flanc de colline, ça sert à rien de mettre des grosses grosses fenêtres. Oups, pas ça que je voulais faire. Alors, aujourd'hui séquence design. Séquence design. Peut-être monter encore un cran d'ailleurs. Je suis pas sûr qu'on puisse habiter dans le premier dès le premier épisode, enfin dès cet épisode là, dans cette maison. Mais on aura déjà un petit quelque chose de fait. Ce qui ne sera pas rien. Hop. Alors attendez, faut pas que je tombe dans l'eau. Voilà. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Donc, on va finir le pourtour. Ça sera déjà pas mal. Ok. Oh bah ça sera assez spacieux quand même. Ça sera assez spacieux. Bon, par contre, pour le toit, j'ai aucune idée de comment je vais faire. Je pense que je vais faire un truc assez classique. Je vais mettre des escaliers tout autour et ça ira très bien. Ça ira très très bien. Surtout que j'ai pas mal de cobble, ça devrait aller. Peut-être que je sépare un petit peu tout ça, histoire que ça fasse pas trop égal partout. Hop, hop. Nickel. Je vais juste virer ce bloc-là parce que vraiment, il me cache un peu la vue. Voilà, tranquillou. Donc je vais faire pas mal d'escaliers. On va commencer à poser le toit histoire de commencer un petit peu. Ah, je vous dis, ce sera une bonne partie de l'épisode sera consacré à la construction. Et je pense qu'à la fin on ira retourner, vu que je pense que ça sera la nuit, on ira retourner un petit peu dans la galerie que j'ai commencé à faire. Pourquoi il y a une vache sur ma maison que j'ai commencé à faire, enfin que j'ai trouvé en tout cas. Pour... non, c'est pas dans ce sens-là. Pour chercher du fer, un petit peu de fer. La base, quoi. Par contre, faut pas que je crève. Hop. Hop, et hop. Donc, ensuite, je vais stacker un petit peu tout ça. Tac, tac. Hop, je vais faire des trucs comme ça. Peut-être pas trop que j'augmente. Je sais pas trop encore. Par contre, je vais virer cette vache. Hein, je sais pas ce qu'elle fout à squatter au-dessus de mon chez-moi. Moi, en tout cas, squatte bien. Alors, attendez, là, je peux plus monter sur mon toit. Hop. Ça va faire la maison tout en cobble, mais je pense que je la bidouillerai au fur et à mesure du let's play. Histoire d'avoir quelque chose d'un petit peu plus design, un peu plus joli. Ok, j'ai pas assez d'escalier, c'est pas grave. J'ai de quoi en refaire, ça c'est pas un problème du tout. Alors où en est la nuit? La nuit, ouais, bon ça va, j'ai encore un peu de temps. Encore un peu de temps, on va en profiter, je vais encore consacrer quelques instants à la construction. Hop. Ça devrait aller. Une vingtaine de plus. Ça devrait aller pour continuer un petit peu. Alors, hop, 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 hop. On continue. Ça devrait aller. Ouais, la nuit doit bientôt tomber de toute façon. Zut, zut, zut. C'était pas le coin que je voulais poser. C'est juste la version de côté. Tranquille. Voilà. Et je pense qu'on va faire encore un cran. On va faire encore un cran, voilà. Je vais prendre de la cobble et finaliser un peu le trou. Nickel. Nickel. Bon, on a déjà quelque chose qui... Aïe, est en train de se faire. Bon, c'est pas la gloire pour l'instant, mais c'est déjà pas mal. Et je pense qu'on va aller commencer à se carapater chez nous, parce que la nuit va bientôt tomber.
Et il est temps qu'on descende un petit peu, voir ce qu'il y a là-dessous. Donc, je vais me faire, parce que j'ai mon ma pioche qui va rendre l'âme. Je vais me faire deux nouvelles pioches. Bon épée, ça va, ça tient le coup. Mais la priorité, ça sera une épée en fer, hein, de toute façon. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix, elle n'a pas le choix. De toute façon, j'ai une wooden sword, ça va pas me servir à grand chose. Donc on entend qu'il y a une araignée. Hein. Alors je sais plus où était la grotte. Je sais qu'elle couche. Ah oui, quand même. Donc là j'ai trouvé du charbon. Ah oui, chercher de l'eau ici. Chercher de l'eau, je l'ai pas trouvé. J'ai déjà oublié. C'est quand même assez grave. Pourtant j'ai tourné, mais je cherche. Il n'y a pas longtemps, mais je cherchais de l'eau et j'avais complètement oublié. Donc alors. Je l'ai trouvé, et donc c'était ici. C'était tout simplement ici. En fait, j'avais arrêté. D'ailleurs, ici, c'est mal éclairé. Boum, ça me fait peur. On va descendre précautionneusement parce que, honnêtement, j'ai aucune envie d'y aller sans vraiment être stuffé. Rien du tout. En plus, j'entends un squelette. Génial. Ah! Je suis au mauvais niveau. Que je peux poser les bacs. Voilà. Là, je devrais être tranquille. Voilà. Donc, je vais essayer de. En fait, je vais essayer de descendre un petit peu et de faire cette technique-là pour bloquer. Oh, d'accord. Ok. On va descendre par ailleurs. Ok. Je vais essayer de bloquer par en dessous. L'accès de la grotte pour sécuriser une zone et être un petit peu tranquille. Descendre encore un cran. Oh. Voilà. On va essayer de la sécuriser comme ça. Je pense que ça doit aller. Hop. Ensuite, on va remonter. Et on va s'en occuper à la main. Alors, ok, c'est bon ça. Ah bah c'est bon. Est-ce que j'ai sécurisé la zone, j'espère. Hein. Encore de la flotte. Je crois qu'il y a quelque chose au fond. Là ça passe pas, c'est nickel. Qu'est-ce qu'il y a? Ok, il n'y a rien. Bon, pas forcément ce que je cherchais non plus. Je vais pas voir ce qu'il y a et j'ai pas trop envie de m'y frotter, c'est ça qui est embêtant. Là-bas non plus. Bon, 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 bon. On va essayer d'avancer parce que de toute façon là c'est du, c'est de l'eau donc c'est difficile à faire à rebrousser chemin. Ok, il y a du fer. Il y a du fer, de l'or, nickel, c'est bien tout ça. Par contre, faut que je rebouche le trou d'eau. Allez hop, calme-toi. Tu m'embêtes plus qu'autre chose. Donc, charbon, fer, nickel, c'est tout ce qu'il me faut. Et en plus, il y a de l'or en prime. Voilà, hop. Prendre le charbon. On va prendre le fer aussi. J'espère qu'il y a plus de 1 de fer, parce que sinon ça va pas aller. Je crois qu'il y en a au moins 2. Ça suffit pour faire une épée, ce qui est déjà pas mal. C'est le minimum syndical, on va dire. C'est le minimum syndical, parce que sans ça, de toute façon, c'est fini. Ah, il y en a 4, 5. 5, c'est génial, absolument génial. Je vais pouvoir me faire une pioche en fer. 6. Absolument génial, ça. Ah, par contre, il y a une autre grotte. Ça, c'est un peu moins génial. Ok. Donc, on a bien vu, on n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul du tout, mais j'ai quand même mes 6 iron ore, ce qui est pas rien du tout. C'est moi qui l'ai mis, ouais. Des fois que je me tape pas un donjon comme ça sans prévenir. Bon, alors, on a trouvé un moyen de remonter. Illico.
On va remonter, faire fondre ce fer, se faire une épée, une pioche. Et on va repartir, parce que là, ça va bien aller. Je pense qu'il y a moyen que je descende correctement dans les grottes à partir de maintenant. Et pas avec un stock de merde. Par contre, la priorité, ça va être le fer pour des armures. Hop. Hop, hop. On va attendre. Qu'est-ce que je peux ranger là-dedans? Deux strings, oui. Je vais ranger ça. Est-ce que j'en avais? Non, j'en ai pas. Bah, génial. Après, sapling, mushroom. Ok. Bon. Je vais me refaire des torches, en plus. On va faire quelques torches. Hop. Là, il fait nuit. Il fait nuit, il fait nuit. Alors, j'ai de quoi me faire une épée. Nickel. Une jolie petite épée. Et bientôt de quoi me faire une pioche en plus. Allez, allez. Un petit peu plus vite. Voilà. Donc, bah tiens, il me faut encore un petit peu de bois. Pour me faire des bâtons, on peut faire une pioche. Voilà. Perfecto. Ah, même... Ah, il y a des squelettes. Je pense qu'il y a des squelettes qui traînent juste au-dessus de chez nous. Vérifier qu'il n'y a rien qui me course, par contre. Ouais, il y a une grotte qui tourne autour de... De là où je suis. C'est assez infernal. Donc, on va récupérer cet or si on peut. Plus ça n'a pas mal. On va juste essayer d'éviter de se prendre un creeper sur la figure. Ça a l'air d'aller ici. Nickel. Bon. Donc on a 7 gold or, ce qui est pas mal pour un filon d'or. Je pense qu'on peut essayer d'aller par là, j'ai pas trop envie. Voilà. Truc pour pouvoir battre en retraite le plus vite possible. Que j'ai pas envie. Que c'est stressant. Ok, de la ressource. Bon alors, là ça se sépare. Il y a de l'or. Pas forcément ce que je cherche. Là ça remonte, c'est pas non plus l'objectif. Je vais essayer de bloquer ça. Voilà. Là c'est bloqué. Là, je vais revenir un petit peu en arrière, voir si j'ai rien dû faire. Cool. Si j'ai rien loupé au-dessus, parce que j'ai tendance à oublier des grottes qui arrivent par au-dessus. Et du coup je me prends des mobs sur la figure. Jusque là ça va. Bah tiens, on va prendre les ressources. Peut-être pas tout le charbon, parce que le charbon je commence déjà à en avoir assez. Mais bon, on n'est jamais en surnombre au niveau des ressources. Hop, hop. Bon, ça devrait aller. Donc alors, j'avais vu un bout de fer qui traînait par là. Il est là. Ok, ça fait 4 de fer. Pas plus, pas plus. Même un peu d'or ici, ça c'est pas mal. Il y avait un seul bout. Bon, un peu dommage, mais c'est pas. Oh, du fer. Ok, un méga trou. Une araignée qui traîne dans le coin, mais il y a du fer. Ça c'est quelque chose d'important à noter. Il y a du fer. Par contre, ça va vite me casser les pieds, ça. Voilà. On n'a pas plus? Ah, si. Ah, je vois que dalle. Je pense que vous aussi, je vais éclairer un peu. Hop. J'avoue, j'ai entendu une poule. Je crois que j'ai entendu une poule. Là, je suis pas du tout rassuré à l'idée de descendre là-dedans, honnêtement.
Je sens bien le mob qui va me tomber sur la figure. Je pense qu'on va descendre. Ah bah ça fait 20 minutes. Bon bah voilà, sur ce suspense, est-ce que je vais descendre ou pas? Qu'est-ce que je vais trouver là-dessous? Ça sera dans le prochain épisode. Si prochain épisode il y a. Vu comment je flippe. Bon bah j'espère que ça vous aura plu. On a commencé les grottes alors que je suis pas du tout rassuré, vous le savez. Hein. Pour ceux qui ont regardé la dernière saison, enfin la toute première, eh ben, vous savez que je suis pas du tout rassuré dans les grottes. Mais je vous l'ai fait. Bah ça, c'est fun quoi. C'est fun. Surtout à regarder, hein, je suppose. Voilà. Bah si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à poster des commentaires, à venir me suivre sur Twitter pour en discuter. Et puis voilà, voilà. Et ben à la prochaine, salut à tous !